toute la... Je sais pas combien vous déjà de Alors. Voilà. Petit Jean à son bateau. Ça va? Oui. Et après, et c'est là que ça se complique, il faut que vous compreniez ça tout de suite. Et si vous avez compris ça, après vous êtes sauvés. Après, je vais plier à peu près la même longueur que la quille, une autre fois, et je vais le ramener devant. Vous voyez, le blanc a disparu, vous voyez plus que le vert, d'accord? Et je vais le plier encore une autre fois de la même longueur. Et regardez, j'ai fait trois plis. Le premier, c'était... Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est certainement la dernière journée que tu vas passer avec ta mère. Certainement. Tu peux dormir, mais demain matin, au lever du soleil, tu seras là sur la place. Parce que demain matin, on te brûlera. On veut s'allonger un peu jusqu'à ce que... qui les pieds, qui touche le fond de la mer. Il y a sa tête qui dépasse. Alors sur le bateau, les deux pêcheurs ne comprennent pas. Ils le poussent. Alors il avance. Il commence à crier. Oh, on peut pas. Et un jour, le fils, comme ça arrive souvent, a été en âge de se marier. Et dans ces familles-là, ce n'est pas les fils qui choisissent leur princesse. C'est souvent la mère ou le père du roi, du prince, qui choisit la femme qu'il va épouser. Et sa mère lui avait dit, mais il faut, mon fils, que tu épouses une vraie princesse. Vraiment une princesse authentique. Une qui serait vraiment particulière. Et d'ailleurs, moi, j'ai un bon moyen pour savoir. C'est une vraie princesse, mais elle n'a pas voulu le dire à son fils. Et le fils et le père et la mère ont invité au château des dizaines, des centaines, des milliers de jeunes princesses, de jeunes duchesses. Vas-y. Tu vas aller. Vas-y, lâche.
plastique, mais tant pis. Je vais sauter de l'arbre. Non, le bloquant qui m'a bloqué pendant tout le temps où je travaillais, j'ai plus qu'à appuyer sur le dessus avec deux doigts et il descend. Je le lâche et normalement il bloque. Et là il bloque. On arrive en bas. On arrive plus vite en bas qu'en haut. Mets-la bien à plat sur elle ta main. Elle est là, 240. À plat sur ta main. Et maintenant, tourne pour mettre la partie rouge de ton aiguille dans ta petite maison. Tourne-toi doucement, doucement. Stop. Là, quelle est... Non, regarde. Non, t'es pas bien mis. Là, quelle est maintenant ta direction? Non, regarde. Est-ce que tu la vois d'ici ta valise? Regarde, lève les yeux. Est-ce que oui, tu la vois? Oui, je la vois. Eh bien, allez-y. Eh bien. L'arbre, il mesure 30 mètres. C'est-à-dire que si l'arbre tombait, il arriverait juste ici à peu et près. Et je découperais ça. Pardon. La tête de l'arbre arriverait là. Bien clair.
Allez, à la queue, loulou.